on accueille ici à la Citadelle les œuvres d'Ousmane qui ont été réalisées au cours des 10 dernières années. C'est une rétrospective de toutes les œuvres qui se trouvent encore en France avant leur départ pour Dakar au Sénégal. Ce sont essentiellement des sculptures représentant différentes ethnies africaines, dont les Zoulous, les Maasai, les Peuls, les Nouba. Et puis quelques pièces beaucoup moins connues, puisqu'elles sont beaucoup moins exposées, qui est une série qu'il appelle Les Grands Hommes. Les Grands Hommes, c'est vraiment pour rendre hommage à des gens que, comment dirais-je, qui m'ont marqué dans la vie. Ouais, bon, ça peut ne pas correspondre aux critères des autres, mais moi, j'ai la chance de les représenter, je le fais. Le général de Gaulle, Nelson Mandela et Victor Hugo. Victor Hugo qui ensuite, finalement, qui avait été réalisé par lui sans du tout penser à sa destination finale à Besançon. À force de dire que j'aime cette ville, elle va finir par me dire qu'elle n'est pas sourde, qu'elle n'a pas besoin qu'on lui dise tout le temps. On peut voir un écho ici au Musée des Beaux-Arts. Nous avons décidé de créer un parcours Ousmane Sow à travers Besançon. Le grand artiste le méritait. De confronter ces sculptures à quelques-uns de nos chefs-d'œuvre. Vous allez voir ces sculptures face à des Courbet, face à un Claude Monet que nous a prêté le Musée d'Orsay, face à des portraits de Géricault. Cette exposition est beaucoup plus intimiste avec des petits Nouba conçus par Ousmane Sow qui dialoguent eux-mêmes avec des photographies qu'aime beaucoup Ousmane Sow d'un grand photographe, George Roger. Ousmane Sow est bien évidemment un sculpteur du corps, la représentation du corps, de ses tensions, de son pouvoir. Il est dans la tradition des grands sculpteurs du début du XXe siècle. C'est un artiste également engagé humainement et généreux. Cette exposition est également associée avec la prochaine inauguration du monument aux morts réalisé par Ousmane Sow. L'essentiel finalement de l'idée, c'est de faire une rétrospective cette année avant que toutes les œuvres repartent au Sénégal. C'est vraiment là une histoire entre deux hommes et finalement un artiste et une ville qu'il connaît bien et qu'il apprécie grandement.